Le coup de tonnerre, la surprise du chef, c'est parti. Coup de tonnerre à Madrid. Coup de tonnerre. Coup de tonnerre. Coup de tonnerre sur la tête du Real Madrid. C'est la surprise du chef. Zinedine Zidane annonce son départ. Il quitte son poste d'entraîneur, annonce surprise. Zinedine Zidane, 45 ans, est à la tête de l'équipe depuis début 2016. Zidane choisit d'arrêter en pleine gloire. Samedi, il est devenu le premier entraîneur à remporter 3 fois d'affilée la Ligue des Champions. Information, il faut bien le dire, complètement inattendue. Quel tremblement de terre. C'est une annonce bouleversante, une surprise totale pour tous les spécialistes. En tout cas, c'est un sacré coup de tonnerre. Bouleversant. Le départ surprise bouleversant, voilà, du deuxième entraîneur le plus titré de l'histoire, laisse un Real Madrid assez choqué et beaucoup de questions. Que va-t-il faire de cette liberté? Pour en parler, Gérard Rolls et Anne-Laure Bonnet. Bonsoir. Avant d'entendre la réaction de Zinedine Zidane au départ de Michel Silas. Oui. Vu qu'on a fait ça le même jour. Les deux événements. Mais c'était donc. Ou celle de Patrick Cohen d'Europe 1 ? Non. Pour être sérieux, non, pas encore. Pour être sérieux, coup de tonnerre, séisme, etc. On a eu toutes les expressions, évidemment, coup de tête sur les réseaux sociaux aussi pour s'amuser. On a eu tous les clichés, je ne vais pas ajouter le mien, mais à Madrid, sur le coup de 13h, surprise totale, super majeure, la conférence de presse prend tout le monde de court, et plus encore cette annonce, donc cette déclaration du premier entraîneur, premier technicien de l'histoire à avoir remporté 3 fois d'affilée la Ligue des Champions. Tomé la décision de ne pas suivre le prochain an le cargo d'entraîneur du Real Madrid. Je crois que c'est le moment pour tous. Bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club. Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de 3 años necesito otro discurso, otro, seguramente otra metodología de trabajo y por eso que tomé esta decisión. Il faut un autre discours, une autre méthode de travail. Le type parle comme s'il avait foiré sa saison. Hein. C'est quand même extraordinaire. Bon, pas du tout. Zidane est en train d'expliquer qu'il faut changer un chef d'équipe qui gagne. Alors, on se demande s'il est bien sincère, si ça cache pas quelque chose. Et puis, on a la clé quelques minutes plus tard. Enfin, en tout cas, une partie de l'explication. Vous allez nous dire, Anne-Laure, en réponse à la question d'un journaliste français. Il y a eu des bons moments, mais des moments difficiles. Et moi, je les oublie pas, ces moments difficiles. Et ça, quand tu es dans ce club, il faut juste le savoir. Et si c'est pour vivre une autre saison, avec des moments où à la fin, ça se passe pas bien, non, je veux pas ça, moi. Moi, ce club, je l'ai dans mon cœur. Je veux terminer. Cette étape, elle se termine. Elle s'est terminée bien quand j'étais joueur. Elle se termine bien que je suis entraîneur et ça sera toute la vie comme ça. Et donc ça, c'est mon intelligence pour dire que c'est le moment. Alors voilà, est-ce que c'est pas là la clé, Anne-Laure? Des moments difficiles, des bagarres, j'ai pas envie d'une autre saison avec des bagarres. Expliquez-nous et expliquez à ceux qui n'ont pas suivi au jour le jour. Ça a été une saison très difficile au Real Madrid. Ouais. Dès le début de saison, le Real ne gagnait plus rien, les matchs de championnat à domicile, des défaites sur défaites. Zinedine Zidane s'est fait siffler. Je rappelle juste qu'au moment où on sifflait Zinedine Zidane, il avait remporté 2 Ligues des Champions pour le Real en moins de 2 saisons. Puisqu'il est arrivé en milieu de saison. Et puis, il y a eu un match à Leganés, en Coupe du Roi, où ils sont inclinés sur la pelouse de Leganés, qui est un petit club de la Liga. C'était en Coupe du Roi, c'était donc une élimination d'une compétition importante pour le Real Madrid. Et il y a eu le sentiment que peut-être son discours ne passait plus, il se passait quelque chose. Donc il y a son discours qui ne passe plus auprès des joueurs, il y a les critiques, c'est dur pour lui, c'est son club, il a tout gagné en tant que joueur, il a tout gagné en tant qu'entraîneur et il se fait siffler au Santiago Bernabéu. Après, il y a eu effectivement la victoire en Ligue des Champions. Mmh. Et Zinedine Zidane, il est formé, non pas pour jouer, mais pour gagner. Non pas pour entraîner, mais pour gagner en tant qu'entraîneur. Et il le sait. Alors, ses joueurs le vénèrent, certains. Je pense notamment à Marcelo, le Brésilien, ou Cristiano Ronaldo, le Portugais. Mais il y a eu des tensions dans le vestiaire. Bale, qui était à une époque le plus gros transfert de l'histoire du football, il est sur le banc. Il est sur le banc lors de la finale de la Ligue des Champions. Zinedine Zidane soutient Karim Benzema qui ne marque pas, qui a une importance capitale dans le jeu. Mais les supporters disent, mais pourquoi garder Benzema? Il ne marque pas. Donc c'est beaucoup de critiques sur son travail. Et je pense que c'est douloureux. Et après,
comme il le dit, il a l'intelligence de partir au sommet. Ouais. Il ne fera pas la saison de Gérard Rolls, quand on est au sommet, quand on a l'impression d'avoir tout gagné, on a la plus grosse pression. Ma tonalité est un petit peu différente, alors, si vous permettez. Parce que là, c'est vrai que vous appuyez sur les difficultés de l'année. C'est vrai que le Real a 17 points de Barcelone. Et en Espagne, c'est insupportable. Parce que c'est la plus grande équipe pour normalement de l'Espagne, avec le Barça. Mais bon, et terminer comme ça, deuxième, et loin, c'est insupportable. C'est vrai. Moi, je pense tout simplement que, comme un certain nombre d'hommes d'affaires, de politiciens, ils le font moins, mais de grands sportifs. Il faut savoir à quel moment on s'arrête au moment où on est au top. Et là, d'un seul coup, il s'est rendu compte de ça. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, je pense qu'il est fatigué. Ça ne se voit pas. Parce qu'il est jeune, donc sur le visage, je pense qu'il est fatigué. Je pense qu'il est fatigué de nerveux. Il faut savoir que le métier d'entraîneur de football, c'est un métier de dingo. C'est un métier de dingo. Il faut être psychologue, technicien, diplomate, médiateur, dictateur. On a un président. Là, par bonheur, son président le soutient à 100%. Mais parfois, dans les clubs, comme ça se passe par exemple à Toulon avec le rugby, ou le président Boudjelal qui ne jurait que par Galtier, d'un seul coup, il dit « Ah bah oui, il a raté son oral ». Le président, parfois, vous met une pression de dingue. Toutes ces raisons-là font qu'il est fatigué et qu'il s'arrête au top. Il est au top juste après la victoire. Alors qu'on parlait de Ronaldo, qu'on parlait des autres, c'est lui qui surprend tout le monde, mais il s'arrête au top. En tout cas, c'est une décision sûrement personnelle, solitaire, secrète, dont rien n'avait fuité jusqu'à ce midi. Et du coup, on peut se demander si le Zidane triomphant, mais pas seulement, le Zidane détendu, souriant comme libéré, qui vous répond, Anne-Laure Bonnet, au soir de la finale de Ligue des Champions contre Liverpool, n'a pas déjà mûri sa décision. On va regarder cette image. Félicitations, c'est... Alors là, vous vous arrêtez plus. Le bonheur, c'est ça. Ça ressemble à ça. On vous a jamais vu aussi heureux. Non, ben forcément. Forcément que là, ce soir, c'est un moment historique. Faire trois fois d'affilée, pour ça que les joueurs, en fait, il faut... Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou de vivre ça. On a le sentiment que vous ne trouvez même pas les mots. Vous aviez imaginé dans vos rêves les plus fous? Non, même si de toute façon on y croit, on y pense, et quand on travaille fort, avec une équipe comme ça, on peut aller loin. Mais c'est vrai que bon, voilà, gagner trois d'affilée, c'est un truc de fou. Vous nous l'aviez dit au lendemain ici même, alors. Vous ne l'aviez jamais vu comme ça, Zidane. Avec le recul, vous pensez qu'il avait... Après l'interview, il y avait toute sa famille qui était sur la pelouse. C'était le cas pour les deux précédentes également. Mais ils sont restés, ils ont fait le tour du terrain. Plus longuement. Ils étaient ensemble. Ils sont tous restés ensemble, unis. Et on avait le sentiment qu'ils savouraient. Alors, c'est facile de le dire après. C'est sur le moment où on ne sent pas qu'il va quitter le Real. Mais, ils ont pris le temps particulièrement de savoir. Alors, je pense en plus que ça doit être une décision qui se prend en famille, puisque Zinedine Zidane... Gérard, 100% d'accord. J'ai eu la chance de faire un prime time, une grande émission avec Zinedine, avec Zizou, juste après la Coupe du Monde 98, grâce à un copain qui s'appelle Rodolphe Assol, qui avait bien organisé les choses. Et là, on a eu la famille. On a eu sa femme. On a eu son père qui est venu, qui parle jamais, qui était venu à ce moment-là, qui nous expliquait cette ultra-sensibilité, cette finesse. Mais c'est un introverti, c'est incroyable d'ailleurs, qu'il soit devenu entraîneur et entraîneur avec cette réussite-là. C'est un introverti, mais il est incroyable, il a du mal à exprimer. Et Anne-Laure, vous avez réussi à le faire sourire, à le faire parler. Enfin, c'est son métier, mais... Voilà. Avec des personnages comme ça, c'est pas... Avec une victoire éclatante à la clé, sa famille, sa femme et ses enfants étaient présents à la conférence de presse tout à l'heure à Madrid. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas été poussé dehors par son club, pas du tout. Il suffit de contempler la mine défaite et déconfite du président du Real, Florentino Pérez. Para mí esta ha sido una decisión totalmente inesperada. Hoy es un día triste y él sabe que le quise como nadie como jugador, que le quise igual como entrenador y que me gustaría que esté siempre a mi lado. Pero los que conocemos a Zizou, cuando él dice toma una decisión, lo único que podemos es asumirla y respetarla, porque él es así, ¿no? A mí me causó un gran impacto ayer cuando conocí esta decisión y lo único que puedo hacer es ofrecerle mi cariño, mi apoyo, mi reconocimiento y recordarle, aunque él lo sabe, que esta casa es su familia para siempre. Voilà, il fera toujours partie de la famille, dit Pérez, mais on voit qu'il accuse le coup d'une famille. Hein, une famille qu'il avait accueillie en 2001. Vous allez reconnaître dans cette archive le même Florentino Pérez avec un peu plus de cheveux, comme Zidane d'ailleurs, accueillant le joueur venu de la Juve à l'époque. C'était le plus gros transfert de l'histoire du foot.
né pour le Real. Voilà ce qu'on dit ici, en Espagne. Un transfert de 500 millions de francs, Zizou est madrilène. Numéro 5 de Zidane, grand joueur et grand timide. Je suis fier d'être là aujourd'hui, fier d'avoir signé pour le Real de Madrid. Et j'espère que pour ces quatre, au moins pour ces 4 prochaines années, faire aussi bien que j'ai fait à la Juve, sinon mieux. Voilà, pour le souvenir, c'est une... Commentaire de Christophe Duchiron, ouais, qui s'occupait du journal. C'est une histoire qui s'achève. Michel, votre sentiment là aujourd'hui. D'abord, je suis d'accord avec Gérard, quel meilleur moment pour partir que quand on est au sommet, parce qu'on ne peut que redescendre, hein, c'est le principe. Donc là, il a gagné 3 Champions League, il aurait pu peut-être en gagner une 4e, mais pourquoi faire? Je pense qu'il a besoin de se reposer. Puis moi, je pense que son prochain challenge, ce sera l'équipe de France. Ah, alors nous y venons. Ce sera l'équipe de France. Alors, Deschamps est là. Rien ne dit qu'il restera après la Coupe du Monde, quel que soit le résultat. Peut-être qu'il y a une usure aussi. Mais en tout cas, un jour ou l'autre, on verra Zizou à la tête des Bleus. C'est ce qu'on a tous en tête, forcément. Dit, ça me semble logique. Alors, on va l'entendre dans un instant. Est-ce qu'on entend d'abord peut-être Zidane? Parce que la question lui a été posée. Est-ce que vous allez entraîner une autre équipe? Voici la réponse qu'il a faite à la conférence. Yo lo voy a entrenar de todas formas en otro equipo ahora, lo que tengo que hacer es lo que esta decisión, entonces yo no busco otro equipo. Bon, ouais. Pas pour l'instant. Il n'a pas besoin de chercher, hein. Non. Je pense que... Il n'a pas besoin de chercher. Ce qui est sûr aussi, c'est que ce n'est pas une question d'argent. Ouais. Ce qu'on aurait pu imaginer, on pourrait imaginer, il y a des entraîneurs qui le font, des joueurs qui le font, qui menacent pour faire monter les enchères. On dit attention, je vais partir. Et puis ça, c'est sûr avec Zizou, non? Mais il l'a dit. Il l'a dit en 2015, il a dit j'ai cette ambition. Ouais. C'est quelque chose qui fera partie de sa carrière. Alors c'est vrai que Didier Deschamps est là, mais soyons extrêmement optimistes. Imaginons la France championne du monde en Russie. Oui. Peut-être que Didier Deschamps dira, j'ai un contrat jusqu'en 2020, je vous remercie, mais je cède ma place. Oui, mais ça colle une pression dingue quand même sur Didier Deschamps. Avant même le début de la Coupe du Monde, savoir que tout d'un coup, Zinedine Zidane est libre. Ils se connaissent assez tous les deux. On va voir la réaction de Deschamps. On n'apprend rien, je vous le dis tout de suite. Il s'en passerait quand même, Deschamps, de l'avoir aujourd'hui. À 15 jours de la Coupe du Monde, on est bien d'accord. On regarde sa réaction. Il y avait une conférence de presse des Bleus tout à l'heure, donc on lui a posé la question. Voilà. C'est sa décision, donc je la respecte bien évidemment, connaissant très bien Zizou. Il a dû longuement réfléchir, et s'il a pris cette décision, c'est parce qu'il est convaincu que c'est la meilleure pour lui. En regardant ce qu'il a réalisé sur ces 3 ans, c'est quelque chose de fantastique pour lui, pour son club. Donc... je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants, mais je peux comprendre qu'ils prennent cette décision-là. Voilà, on demande une grande paire de rames derrière le micro. Ils sont restés potes ou pas, Deschamps et Zidane? Oui, je crois que oui. Il me semble aussi me souvenir qu'en équipe de France, quand Zidane a été au début et blessé et suspendu, c'est Deschamps qui a pris le capitaine, le capitana. Il y a 20 ans. Hein, oui, mais... Voilà. Mais, il va y aller, il y aurait peut-être une génération 98, quand même, ça continue. Laurent Blanc, Didier Deschamps, éventuellement Zidane à la suite, c'est toujours la même... Je pense que pour l'instant, c'est pas la peine de tirer des plans sur la comète. Je pense qu'il va avoir besoin de se reposer. Des clubs, il va y en avoir 15 000 qui vont lui demander, y compris le Paris Saint-Germain qui vient de prendre Tuchel, mais à mon avis... Il est Marseillais. Il est Marseillais, il ne peut pas venir à Paris, donc déjà de ce côté-là, c'est compliqué. Ça serait peut-être plutôt un club comme un de ses clubs de cœur, la Juventus. C'est peut-être ça qui... Ou Bordeaux. Quand j'ai entendu ça tout de suite... Mais est-ce qu'il prendrait Bordeaux risque... Bordeaux, il a fait sa carrière... Au début de sa carrière à Bordeaux. Bordeaux va pas très bien. Voilà, on sait jamais. Un jour, il peut revenir là-bas. Avec des moyens, bien sûr. Mais il va aller soutenir les Bleus en Russie, là? Ou pas, Zinedine Zidane? Il a le droit de prendre des vacances, quand même. Il a la télé, en plus, merde. On n'a pas fini d'en parler, hein, de Zinedine Zidane. Non, mais c'est toujours un plaisir. C'est une idole, c'est une légende. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un sans-faute. On a rarement vu un type dans le foot faire un sans-faute pareil. En tant que joueur, il a un coup de tête. On lui reproche même pas. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Sutek, à qui on a 2-3 trucs à reprocher.